Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Marcus. Bienvenue les potos et bienvenue les potesses pour un nouvel épisode du mode histoire de Fort Honor. Alors, hier on avait terminé le chapitre avec les chevaliers. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 2 avec les vikings. Mais, encore une fois, c'est ce que je vous disais hier. Que va-t-il se passer? Est-ce que ça va reprendre là où on s'était arrêté au niveau des chevaliers? Ou est-ce que ça va raconter quelque chose de tout à fait différent? Ça va se savoir. Let's go donc. Chapitre 2, acte 1, piller les pillards. Et on va rester en difficile. Parfois, il naît un viking qui porte l'étincelle des dieux. Hersir, tel est leur nom. Un nom qui rallie des armées, sans peur ni pitié. Né pour le combat. C'est le destin qui choisit l'heure de la mort d'un viking. Alors, à quoi bon les armures? Ou la peur? Ouais. Donc là, on a le choix entre un homme ou une femme. Ouais. Je sais pas trop quoi prendre. Allez, pour une fois, on va changer, on va prendre une femme. On a quoi? Second souffle niveau 2, blablabla, ça me paraît bien. Un an depuis l'attaque d'Apollyon. Depuis la famine. Les pires d'entre nous s'en sont pris au leur, comme des bêtes. Ils s'engraissaient sur le calvaire des siens. Ragnar était de ceux-là. Festoyons ! Et donc, je suis descendu des montagnes. J'ai rejoint la Grande Horde, et nous avons pris les mesures nécessaires. Nous étions venus régler le problème des nuits. Hop, on se calme. Vas-y ma fille. Quand tu veux. Oh mais non! Mais laissez-le moi! Ok, ça c'est fait. Calme-toi. Comme d'hab, on va essayer de remplir tout ce qui est annexe. Déclencher un feu. Flèche du haut. D'accord. Brûlons ce portail. À nous deux. Mais non! Il est à moi! Arrêtez! Mais punaise! Bien joué. Punaise. Eh, vous allez vous calmer les gars. Boum. Mais mince alors. Super. Eh mais vous pouvez pas aller ailleurs les mecs. On a longtemps pris les vikings pour une simple légende. Une histoire fabriquée de toutes pièces. Le démon du septentrion. Mais il y a quelques siècles... Le portail. Brûlons-le. Merci d'avoir interrompu les explications. Ça fait méga plaisir. Super. Allez. Non mais ça arrive à l'infini. Aïe. Ah, j'ai pas fait gaffe que t'étais là toi.
Bien joué. Aïe. Non. Non. Eh, j'en prends plein ma tronche, mon gars. Allez, vas-y, attaque. Mais non. Mais non. Oh, mais elle va m'avoir. Oh, recule, oh, recule. Allez, allez, défoncez-la. On attend, on patiente. Merci les gars, vraiment j'étais dans une situation assez compliquée. Là ici, que dalle. Ça c'est quoi? Ouais. Attends. D'accodac. Poussez-vous, reculez, 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 reculez. Bah je t'avais dit de reculer, hein. Hop. On revient là. Et on va foutre le feu à ceci. Ouais, 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 ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres baraques à cramer? Non, j'ai pas l'impression. Ça continue de se battre par là, hein. Je vous les laisse, moi je continue. Tiens là. Non, apparemment non. Mince! Excusez-moi les gars. Je réchauffe un peu l'ambiance, hein, vous m'excuserez. Puisque je peux. Ah oui, d'accord, ok. Oh, des patates! À manger! Tu vois. Viens! C'est pour ça qu'on est là. Trouvons ce qui reste. À nous les patates! À nous les patates! Attaque de zone imbloquable. Tac tac. D'accord. On va essayer. Nous venions les reprendre. Tac. Et je boum. Nya. Continue. Bien joué. Allez. Concentre-toi sur moi, toi. Aïe. Aïe. Quand tu veux. Non, c'est bon, j'attaque. Super. Qu'est-ce que... Ouh là là. Doucement, doucement, doucement. Une vaste forêt recouvrait jadis la vallée de Valkenheim. C'est nous qui l'avons abattue, avant le retour des Vikings. Ce faisant, nous avons mis au jour les ruines antiques de la Grande Horde. Imaginez notre surprise. Encore des patates! Ces vivres sont notre survie à tous. Défendez-les! Le Hersir disait vrai. Les vivres étaient là. On va pouvoir se faire des frites à la friteuse. Doucement, 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 doucement. Calme-toi, ma fille. Ouais, non. Tiens là. Regardez-les qui filent. Boum. Je brûle. Mais de ce que j'ai pu entendre, je n'ai pas été le seul. Ouais, ouais, ouais. Doucement, doucement, doucement. Vite. Ah mince. Oh merde. Oh, excuse. Désolé. Même si leur maîtrise de l'acier n'égale pas tout à fait la nôtre, ils restent un peuple
remarquablement inventif. Hey ! Nous aurions tort de les sous-estimer sur ce point. Les Vikings gravent dans la pierre les exploits des héros pour rappeler que seule la gloire ouvre les portes du Valhalla. Mourir au combat, c'est une chose. Mourir en légende en est une autre. Reculez ! Ah mais non, mais quel boulet, je te jure ! Aïe ! Ah, le pauvre ! Je m'en doutais. Ramasse miettes. Je dois brûler quelque chose ? Ah non, là. Ah oui, là. Nous offre un bon butin. À gauche. Aïe. Vite. Hop là. Ça, ça se pète ? Ah ! On peut aussi faire comme ça ! Dakodak ! Il fallait le savoir ! On constate qu'il y a la fiesta dans le bâtiment. On va un peu calmer tout ça. Attends ! Il faut une certaine forme de perversion pour baffrer joyeusement pendant que vos guerriers se font charcuter dehors. Ragnar était de cette meute. L'année suivant notre attaque fut rude pour les Vikings. Plus de semis, plus de moissons l'été. Plus de moissons, plus de nourriture l'hiver. Comme tous les autres clans, la Grande Horde mourait de faim. Notre Hersir aurait pu avoir pitié. Hé ! Cadeau ! Ça vous apprendra. Je te le... Aïe ! Ils sont... Je te le laisse maintenant. Défendez-les! Super. Nous les protégerons. 1 sur 3. Maintenant que ça c'est fait, direction là-haut. Attends, je regarde s'il n'y a pas autre chose. On a bien joué. Là on est à 6 sur 8. Là, tu me diras... On n'est pas obligé de partir sur l'idée, l'objectif, hein, de faire du 100%. Je regarde quand même dans les coins. Les livres n'étaient pas mon seul objectif. Je venais pour Ragnar. Ça, c'est ok. Ah, ça se bidonne. Oula! Que se passe-t-il ici ? Toi. Affronte-moi. Ah. Eh bien, entre donc. Oula, téléportation! Ah,
Bien joué. Ah, bien joué. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Ouf ouf ouf. GG. Ah oh, mais tu me saoules. Ouais, ça c'est clair, ça lâche. Hop 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 hop. Eh. Ramène-toi mon gars. Fous-moi le camp. Toi aussi. Peut sauter. D'où vous sortez? Meurs donc, bon sang! Non, j'ai pas envie! Je tiens beaucoup trop à la vie! Et je compte mourir vieux! Oula, dans ce cas, dans le cas de la fille, vieille! Brûle en enfer! Blablabla! Blabla! Je te talonne! Tu ne pourras pas t'enfuir. Hop là, dans le feu. Je vais te réduire en cendres. Oui, tout à fait. Moi aussi, j'aime bien les pistaches et la vanille. Quarante ans plus tard. Pfiou. Bon, est-ce que ça va durer encore longtemps là? Tu n'es qu'un monstre. Ose festoyer quand les gens meurent de faim. Toi et tes guerriers, vous allez apprendre à vivre comme nous. Ou vous nourrirez les corbeaux. Jeune imbécile! Autant me demander de devenir paysan! Nous sommes des Vikings. Donc c'est non. Voilà là. C'est toi le second. Rejoignez-nous. Nous sommes des vôtres. Il faisait plutôt peine à voir. Mais c'était un début. Sympa! Elle était vénère, la gonzesse! J'aime ça. Allez, on zappe. Pif, paf, pouf. On continue.
et direction le deuxième acte, enfin ou plutôt la deuxième mission, Diplomatie Viking. Est-ce qu'on pourrait pas changer... Attends, ça par exemple. Rage sanglante. Ouais. Mortifère. Ah, ça, ça peut être cool. Je vais prendre... ça. Ok. L'œuvre de Siv. C'est de la barbarie. Je t'ai vu prendre des scalps. C'est différent. Attends ton signal. Question. Est-ce qu'on sait comment elle s'appelle? Je vais commencer à droite. Ah. Salut. Étourdissement. Qui nous cage? Inacceptable. Merde. Je vais pas m'emmerder avec vous, hein, les gars. Super. À mort la poterie, mais mince! Ouais, vas-y. Fais-toi plaise. Les dieux vikings gouvernent le bois, les tempêtes, la pierre. Ceux des samouraïs, le feu, le vent et l'esprit. Ceux des chevaliers, le fer, l'acier et l'or. Mais le pouvoir, nous le vénérons tous. Ouais, pourquoi j'ai levé la caméra comme ça, je ne sais pas. Oh, mais non! Est-ce que je peux faire quelque chose au niveau de la catapulte? Nine! Que dalle. Salut! Mince. Wow, 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 wow! Allez mon gars! Allez jouer! Je vais crever! Je vais crever! Mais non! Mais c'est quoi qu'il jette? Du feu grégois ou grégeois là? Comment on appelle ça? Bon, fort heureusement, on reprend là. Et what the fuck? Ça va être compliqué ça, s'il nous jette des bombes à la tronche. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais me serrer ici. J'allais les libérer. Quoique, s'ils ne viennent pas, ça sert à rien. Ah, mais mince! Faut être...
malaise. Oh là 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 là. Il faut que je fasse un peu plus le ménage. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Vite, vite. C'est bon, c'est fait. On peut se casser. Salut! Allez, attaque! Mais non! Bon, c'est pas grave. Ok, ok, ok. Maintenant, à toi! Je te rends ta liberté! Nous nous connaissions. Je dirais que c'était le signal. Qu'est-ce que vous dites ? Ah, le mixage sonore qui était un peu à l'ouest, et pas qu'un peu, hein, méchamment à l'ouest. On peut descendre par là. Doucement, doucement, doucement. La 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 la, on se promène et personne nous dit rien là, on est tranquille. Ouh! Est-ce que vous pouvez vous manifester? Tiens, voilà là. Je regarde s'il y a pas à de la poterie à abattre. Mais je pense qu'on a tout fait. Allez! Avançons. Tout à fait. C'est très bien. Là, c'est fermé. Hop là. Mais par où on passe? Ouh, le jeu. Ah merde, excusez-moi. Excusez-moi, je n'ai rien dit. J'avais pas fait gaffe. Je n'avais ni vu... le point qui nous dit d'aller par là, ni lu ce qui est écrit en haut à gauche. C'est bon? Allez! On se bouge, Luc! Bon, attention, hein. Est-ce que je peux utiliser la catapulte? Mais pourquoi on peut pas utiliser la catapulte? Venez de commencer. Oula. Ok, hop là, on les embroche. Merde. Eh, vous me saoulez là. Le menu frottin, la chair à canon, hop. Vous allez nourrir les corbeaux! Et on y est presque! Super! Ertir! Ertir! Yeah.
Toi, dans la Grande Horde, laissez-moi rire. Tu parles trop. Vas-y, fais-moi taire. Ok, ouais, pas mal. À moi. Bien joué. Oh là là. Ah, la Hercir, elle s'est fait défoncer. Ouh. Attends, c'est quoi? Ah. L'armée m'a vu moi. Punaise. Ça fait mal, hein, le feu. Oui, ça fait très mal le feu, on est tous les deux morts. Ça fait très très mal le feu, mais le truc couillon, c'est vraiment que je me suis jeté dans les flammes. Si j'avais ces trous. Oh la vache. L'armée m'avait moi. Bah merde. La vie. Ouais. Tout le monde respecte la loi du plus fort. Nous étions à nouveau unis. Il était temps de libérer le reste de la Grande Horde. Stigander. Vous en avez mis du temps. Va en trouver qui ne veulent pas ta peau. Merci, Hercir. Ne me déçois pas, Jarl. Oh. Je t'aime bien. Il était temps de faire valoir notre droit du sang. C'est chelou parce que là, on a vraiment les voix qui étaient sous-mixées. Et en plus de ça, on avait des voix qui n'étaient pas claires, comme si... comme s'ils parlaient dans leur casque, alors qu'ils n'ont pas de casque. Encore, ça aurait une cohérence si on avait incarné des chevaliers qui avaient pratiquement tous des casques. Et donc là, oui, t'as des voix voilà, qui se font un peu plus sourdes. Mais là, non. Là, il n'y a rien devant leur bouche. Pourquoi? Why? C'est pas grave. Direction la troisième mission, bois, fer et acier. Certaines traditions de notre peuple sont aussi vieilles que la pierre. Le solide bouclier se prête à bien des usages. Nos épées sont mortelles, d'une simplicité jamais surpassée. Et un chef qui ne mène pas la charge n'a rien d'un chef.
On nous appelle les Jarls. Un nom qui se mérite. Nous sommes... Et nous resterons le bouclier de notre peuple. Humilité d'avoir été capturé par Siv. Stingrent est prêt pour l'impossible. Non, est prêt à l'impossible pour regagner son honneur. Attends, c'est bien. Non, Stigandre. Il nous faudrait des navires. Et je brûlais d'envie de me remettre dans le bain. Vas-y, mon gaillard. On va voir un petit peu comment il combat. RB, RT. Ah, il tape fort, hein. C'est quand tu veux que t'attaques, hein. Calme-toi. C'est bon. Par la barbe d'Odin. Invasor! Bellicum Canite! Ces obsidiens n'étaient visiblement pas fichus de fortifier nos défenses. Ah ah! De la poterie. Il fallait que j'ouvre ce portail. Et vite. Bien joué! Non! Je voulais l'exécuter! C'est pas grave. Doucement. Calme-toi! T'es plus très jeune. Mollo avec l'endurance. Yop la boum. En fait, j'ai même pas fait gaffe. On doit faire quoi là? Ouvrir le portail. D'accord, ok. Oh, attendez. On va essayer un truc. Vas-y, viens là. Viens là. C'est pas grave. Merde. Non. Pas c'est pas grave. Oui, c'est ça que je voulais faire. C'est pour ça que j'ai pris autant de dégâts. C'est parce que j'essayais vraiment de le tuer en le poussant sur la scie circulaire. Mais ouais, ça a pris du temps. Eh hey, mec. Le mec qui va faire le mec, tu ne passeras pas cette porte. C'est pas Gandalf, mec, hein. T'as pas la beubard pour ça. Ouais, c'est bien. Allez. Oh. Tu viens ou pas? Super. Oui. Merci. Oh, en mode coup de boule, rien à foutre. Là-haut. Hé, hey, attends. Une fois l'obsidienne chassée de Valkenheim, les Vikings allaient remettre en route leur chantier naval et leur scierie. Il leur faudrait ensuite une cible. 2 sur 5.
Non, je peux pas grimper. Défense totale. Le Jarl peut bloquer dans toutes les directions avec... Bah oui, mais ça je sais. Ça marche bien, ça. Sympa, le Drakkar. Attends, on va grimper là. De toute façon, faut que j'aille dans cette direction, donc je serais tenté de te dire, mollo. J'ai pas envie de tracer la route en mode speedrunner. Qui est tombé dans le vide. Hop. Hop, 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 hop. C'est ça, tapez-vous entre vous. Tiens, attention, je suis trop près du vide. Misère de misère. Moi le camp. Non. Bien joué. Tu vas tomber. Ou pas. Eh, vous faites les touristes ou quoi là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Que dalle, que dalle, que dalle! J'ai fait le tour pour rien, mais quelle nouille! C'est pas grave. Y'a pas quelque chose à savoir au niveau du Drakkar en construction là? On va y aller, sait-on jamais. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ne tombe pas toi-même. Non, recule pas comme ça! Trois sur cinq. Observation, nada. Forçons à reculer. Mais ça a l'air vachement grand là. Bien joué. Ah, bien joué. Oh là là. Lui, il est bien blindé, mon gars. T'as vu son armure. Oh là 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 là. Allez. Je sais pas si tout ceci est annexe ou pas. Vu que je sais pas. Mais dans le doute, hop.
4 sur 5. Tout à fait. Ah ! Les Vikings avaient mis des dizaines, des centaines d'années à construire leurs colonies et leurs chantiers. Un an avait suffi à tout dévaster. Non. Et tu crois que c'est bien, hein, de ruiner tous ces efforts? Tu crois que t'as fait quelque chose de cool? Eh ben non, c'est pas bien. Après, c'était de la guerre. Tant que guerre, on fait tout ce qu'on veut. Par là, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, d'accord, ok. Bon, et pourquoi pas? Tac. Bah non, en fait, non. Salut! Mais merde! Oh là là! Et des fois, t'as l'impression que tu les touches pas, hein. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Oh, attends, 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 j'ai oublié qu'il y avait de la poterie ici. Ah bah en fait j'ai fait du ménage en avance. Là-haut. Oh là là. Ceci est un peu facile. Ouais. J'ai tiré complètement sur le côté gauche. Pourquoi? Peut-être pour leur faire peur en fait. Voilà, ils sont hors vue, hors champ. Yop la boum! Nekae os omnes! Par la barbe d'Odin. Imagine Odin, il a pas de barbe. Comment, hein? Tombe! Ah merde. Non, lui. Super. Vite. Eh mec Ouf. Le fumier de lapin. Relève-toi, relève-toi. Tiens, cadeau. Ils avaient un sacré trésor de guerre. D'où ça peut venir, ça? Des bateaux samouraïs à la dérive, remplis de ces trucs. Les samouraïs!
Des faibles. On est 10 fois plus nombreux qu'eux. Leurs affaires sont prospères. Nous aurons besoin d'une flotte. Le pillage. Oui. Nous appelait. Ça manque un peu de conviction dans le doublage FR, mais enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on va dire que... Mouais. Donc là, on passe... J'ai hâte de les voir, les samouraïs. Et surtout, j'ai hâte de contrôler un samouraï. Moi, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai fait un peu de multijoueur. J'ai pris direct, un samouraï. Et j'avoue, j'aime bien leur style, j'aime bien leurs armures, j'aime bien leur façon d'exécuter, de combattre. Ouais. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Là, juste après, le débarquement. Bah, le débarquement, ce sera pour demain. Parce que nous, les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On a déjà fait 3 missions. C'est amplement suffisant. On approche de l'heure de gameplay. Donc, ouais, j'espère que vous avez été rassasiés. J'espère que vous avez pris plaisir en regardant cette vidéo. Vous me direz un petit peu, bah ouais, hein, ce qu'il en a été de votre côté. J'espère que vous me lâcherez plein de commentaires. En plus de ça, avant de partir, bah pourquoi pas lâcher un pouce en l'air si c'est pas déjà fait. Partagez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas aussi déjà fait. Et si vous le faites, activez la cloche afin de ne rien rater des futures notifications de la chaîne. Ciao, bye bye.